intro. Non, moi je fais pas d'intro. Ok. Bonjour les copains et copines, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau court-métrage avec Léandro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau court-métrage et dans ce court-métrage on va jouer à un jeu. On va faire en fait, ce jeu ça sera qu'en fait, et ben dans le court-métrage, vous devez trouver Francis le lama. Alors si vous trouvez Francis, alors vous pouvez regarder plusieurs fois. Alors faites attention parce que il est pas bien caché, mais je vais pas beaucoup le montrer dans la vidéo quand même. Ouais, voilà, je vous dis juste ça. Et du coup, quand vous avez trouvé Francis le lama, vous dites dans les commentaires Francis. Vous dites juste Francis. Si vous avez trouvé Francis le lama, vous mettez Francis dans les commentaires et je saurai qui a trouvé Francis. Du coup, viens Léandro. Ouais, et du coup, premier commentaire qui dit Francis, et ben il a gagné. Non, pas le premier, c'est pas un jeu voilà où quelqu'un gagne, c'est juste un jeu pour voir si vous avez trouvé Francis, si vous voyez bien Francis, si vous avez une bonne vision. Moi je fais pas d'intro sur mon format. Ouais, du coup je te mute pas. Attends, vas-y, mets-toi là-bas, mets-toi devant. Vas-y, et on va dire comment je me réveillais là. Et les attends. Non, mais vas-y. Voilà, et on va dire que tu me voyais et les gobelles gobines, bon visionnage. J'ai réussi. Je suis arrivée dans le bureau de Jinjin. Ascenseur rouge. Ouais. Je me rappelle toujours mon pote. Bon. Bah moi aussi. Et Jinjin est resté dans le monde de Fortnite. Attends. C'est quoi ces bruits d'éclairs? On doit aller voir. Et avant, il faut aller voir dans le bureau de Dieu. Oui. Voilà. John. Il y a son bureau juste ici. On y va. J'ai vu un truc. Non, j'ai dû rêver. Attends, ça doit être là-bas peut-être. Ah non, c'est complètement vide. Attendez, peut-être là-bas. Ah bah non, c'est là où je viens. Alors ça doit être derrière cette porte. C'est parti. Attends, monte pas. Attends, pas ce court métrage. On va dire là c'est fermé. Hein. Attends. Vous avez rien vu. Ok, voilà. Du coup, c'est parti. On continue. Attends, descends. Ça me fait très peur. Les éclairs viennent de là. Avant qu'on y aille, si on meurt, le check de la mort va toujours compter pour nous. Si on meurt, check de la mort. Hop, ouais. Allez, on y va. Ascenseur rouge. Ouais. Il faut faire attention. De toute façon, mais je te l'ai jamais dit, mais j'ai trois amis. Galaxy, Éclaireuse Galaxy et Galaxia. Et mes deux frères, enfin mon frère et ma soeur, Visiteur et Paradigme. De toute façon, ils vont pouvoir me sortir de ce pétrin. J'y vais en premier. Attends. Là, on est hors de la boue. On sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Il peut avoir le point zéro, ou je sais pas moi. Attends. 3. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a. 3. En dessous, on va dire qu'il y avait le point zéro. Bon, qu'est-ce que tu vois?
Il y a le point zéro. J'arrive. T'as raison. En bas, il y a le point zéro. Ah, il faut pas y aller. Sinon, on va retourner. On va retourner dans la boucle. Et je veux pas. Attends, c'est pas sûr. Attends. Là, c'est pour changer. Là, c'est pour changer le temps. Enfin, là où on veut aller. Alors. Oh, j'ai une idée. On peut aller dans le village. Dans le village chinois. Le village chinois, c'est là où il y a Paradigme. C'est le monde de Paradigme. Ah oui, le village chinois. Bah, oui. Allez, je mets la direction. C'est bon. Attends, rouge. Avant d'aller dans le village chinois, si on survit pas, je vais te dire qu'on fera une dernière fois le check de la mort. Attends, j'y viens en premier. Et si t'es pas téléporté dans le point zéro, il faut un petit peu que tu bouges dans tout le point zéro. Et au bout d'un moment, ça va te faire aller dans le village viking. Ok. Enfin, le village chinois plutôt. 3, 2, 1, j'y vais. Et après, c'est à toi. Pas maintenant. Ah, ok. Faut que je bouge un petit peu. Attends. Oh. Non. Ah, le point zéro. Attends, je me suis fait expulser. Sur pause de court métrage, je vais vite voir un truc. Pause de court métrage. Ok. C'est bon, on continue. Attends, allez. Je réessaye. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ascenseur rouge, tu m'entends? Je t'entends. Je suis dans le point zéro, j'arrive pas à me téléporter. Je suis dans le point zéro, tu peux venir. Je suis coincé dans le point zéro. Je suis sur toi. Regarde, on est coincé dans le point zéro. Ouah, c'est quoi ça? Attends. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On est coincé dans le point zéro. Comment on fait? On va sûrement mourir dans le point zéro. Alors une dernière fois. C'est la dernière. Allez. Ça peut te tuer. Bon, j'arrive quand même. J'arrive. Ah, le point zéro. C'est bon, je suis arrivé dans le village chinois. Il y a eu un petit bug, je suis arrivé dans le village chinois, c'est bon. Il faut que tu bouges un petit peu. Tu m'entends encore? On a encore nos oreillettes. Ok. Oui. Allez. Bouge un petit peu. Au bout d'un moment, j'ai réussi à aller dans le village chinois. Vas-y. Bouge. Tu peux le faire. Bouge partout. Je t'attends pour le check. T'as réussi. T'as réussi à aller dans le village chinois. Viens. Attends. La ville de Paradigme. Viens. On a réussi. Check mon pote. Je cours plus vite. Ah oui, c'est vrai, dans le monde de Paradigme, on court plus vite. On va découvrir le village. Oh, c'est stylé le village, le petit village. On peut habiter dans une maison. Et le temps que
le temps que les galaxies et que visiteurs et paradigmes ils finissent, et ben on pourrait rester un petit peu ici. Et quand ils vont m'appeler, ben je vais devoir y aller. Bon, tu vas vouloir m'aider ou pas? Ouais. Ok. On prend cette maison. Attends, j'ai les clés. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de clés. Ah si, j'ai des clés. Est-ce que t'es prêt? Avant qu'on rentre, c'est la dernière fois pour cette journée. J'ai un mauvais pressentiment. C'est une fausse porte. Je vous ai trahi. Vendetta! Il faut se cacher, il y a Vendetta! Vendetta nous a trahi. Une faille, vite! Vous êtes coincé! Non! Vous êtes coincé. Non. On va sortir d'ici. On doit aller dans le bureau de Jin Jones. Et retourner dans le monde de Fortnite. Viens. On devait aller dans le point zéro. Attends. Attends. C'est ici. Scientifique. Quoi? Tu te souviens de ça? Attends, viens. Attends. Ah oui, c'est pas vu. Je t'avais promis que tu arriverais jusqu'à qu'on se rencontre. Ouais. C'est parti. Direction monde de Fortnite. Attends, c'est parti. Scanne. C'est pas un scanner le truc, hein. C'est juste une lumière rouge. Enfin, ouais, voilà. 3, 2, 1, on y va en même temps. Au point zéro. Point à suivre.